Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. Je viens de me réveiller, il y a une petite demi-heure, trois quarts d'heure. Je suis à la frontière franco-belge, mais du côté Roubaix-Lille. Je dois faire une douane ici, c'est tout de suite à la frontière, directement. C'est-à-dire que là je suis au parking de la frontière. C'est un très grand parking. Pour les gars du Nord, vous devriez connaître ce parking. Pour la douane, j'ai rendez-vous à Neuville-en-Ferrain, la zone industrielle de Neuville. Chez des stocks, je ne connais pas du tout. Bon, je vais trouver. Ensuite, une fois que la douane est faite, là, je redescends dans le 70. Là, je vais à Plancher-Bas. C'est pas loin de Belfort. Donc voilà, une belle petite trotte. Bon petit tour là à faire. Moi je reste en France hein. Là le tour que je fais par la France, parce que là la Belgique là, franchement les amis, oh putain, vous pétez un câble, c'est des travaux partout, mais partout, je peux pas rouler. Il est impossible de rouler en Belgique, impossible. Donc je sais pas comment je vais faire là pour le reste de la semaine. Il va falloir que je remonte en Belgique automatiquement, je le sais, tu vois. Faut que je me prépare psychologiquement. Bref, en tout cas, j'aimerais remercier tous les amis là qui m'ont soutenu via les super chats. Big up à vous les frérots, je vous mets vos noms hein, tout de suite. Super sympa de soutenir la chaîne financièrement. Merci mille fois à vous les amis. Merci aux tipeurs. Merci aux paypalers. Merci à vous tous les amis, c'est grâce à vous, vous voyez que je peux racheter très très facilement du nouveau matériel. La prochaine investissement, ben, ça va être un micro, parce qu'il me manque un micro. Honnêtement, c'est pratiquement tout ce qui me manque là. Un vrai micro, hein. Là j'ai un vieux micro tout éclaté, la dernière fois que je m'en suis servi, d'ailleurs je ne sais même pas pourquoi je le garde, il va falloir que je le jette celui-ci. Voilà, je vous mets un peu l'image là, du micro DJI là, que bientôt je vais acheter dès que la cagnotte sera bien gonflée. Donc merci à vous, merci à tous les contributeurs. C'est cool la famille. Merci mille fois. Donc nous on va se retrouver tout de suite. On a 2,5 km à faire jusqu'à la douane. On va les faire ensemble. Ensuite on va sortir de là et on va rattraper la route pour descendre dans le 70 direction Belfort. Un petit peu de Vosges aujourd'hui logiquement. Normalement il y aura de la Vosges aussi. Bon les gars, on va y aller. Et là je suis vraiment à 2,3 km de la douane. C'est pas le client, c'est la douane. Mais bon, j'arrive pas à le trouver. J'ai regardé un peu sur le net. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai deux bouteilles moi? Je comprends pas. On va en finir une. La poubelle est juste là. Regardez, hein. Regardez là. Des bouteilles de pisse, des... Putain, il y a de tout et n'importe quoi au sol. Il y a plein de poubelles le long de la route. Là, juste à côté de moi, il y a un sac poubelle sous le conteneur. Putain. Apparemment, tout le monde ne veut pas sauver la planète, tu vois. Sauver la planète, nous sauver nous, tu vois. Bref. On va rouler jusqu'à la poubelle. Doucement. Bon, allez. Moi, j'ai checké mon ensemble, tout va bien. J'ai fait ma vérif du matin. Les clignotants fonctionnent. Cette nuit, je suis venu ici là pour faire une vidange. Ah, dans 200 mètres, rejoindre le 17. Je suis tombé face à un rat, frère. Waouh. Ah, il était pas petit. Allez. Vider ma poubelle là, ici. Et mon café.
Putain, je suis parti de chez moi, j'ai oublié ma casquette. Et j'ai pas de casquette de secours ici. Pas dans le camion. Et ça, c'est pas cool. Ouais, c'est pas grave, c'est pas ça qui va m'empêcher de bosser. Allez, c'est parti. Allez, 2 km 200. On va voir. J'ai mis là des bouts de tissu là au rétro pour la pluie, tu vois. Et je crois que je les ai fait un peu trop longs. Il va falloir que je les découpe un petit peu. Bon, où vais-je trouver cette douane? Il n'y a aucune indication hein, pour le moment. C'est là où je vais. On est à côté de Tourcoing. En fait, voilà. On est plus proche de Tourcoing que de Lille. Plus haut là. Waouh. Ah, c'est du n'importe quoi là ici.
Ah, c'est le bordel. C'est le bordel, je vous promets. Je vais aller voir directement là chez eux parce que. Les gars, j'ai oublié de lancer la caméra, je suis désolé. Et en fait, ils m'ont dit que c'était bien ici. Et ils m'ont dit, voilà, mets-toi sur le parking, tranquille, on viendra te chercher quand les papiers seront prêts. Ah, je vous promets, une galère, frère, pour rentrer dans leur parking. Waouh. Bon, après, une galère, ça va, tu vois. Mais en fait, c'est à l'entrée, là, tu vois, là où on était tout à l'heure. C'est minuscule, mais vraiment minuscule, frère. Et en fait, le truc, c'est que ben, y a 1001 camions. Ils sont tous là en attente. Attendez juste un instant, j'ai pas envie d'arracher quelque chose. Voilà. Il y a énormément de camions en attente. Ben, y a ceux qui viennent livrer, ceux qui vont ramasser leurs marchandises. Et il y a nous. Tu vois ? Et nous, on doit aller dans un tout petit parking, mais minuscule. Enfin, comme tu peux voir. En fait, c'est pas le parking qui est minuscule, c'est l'accès au parking. C'est-à-dire que l'accès est tellement petit que tu le vois même pas, tu vois. Moi, je l'ai même pas vu. Le gars a dû m'expliquer deux fois, tu vois, pour m'expliquer où est-ce que je devais me parquer. Bref, en tout cas, voilà. Un départ sportif. C'est un matin en départ sportif. C'est cool. Franchement, c'est cool. Bon, ça me va, tu vois, quand il y a un petit peu de sport à faire, il n'y a aucun problème. Bref, ben, on est chez le client, ça y est. Ben, chez le client. À la douane, au customs. C'est cool. Il fait très bon, là. On est dans le nord de la France, juste à côté de Roubaix. Neuville-en-Ferrin. Je suis désolé, les amis, pour ceux qui habitent dans le coin. Je sais pas comment on dit, je suis vraiment désolé, les frérots. Donc, Neuville-en-Ferrin, dans le 59-960. J'ai découpé là, regardez. J'ai mis une vieille tête d'oreiller, toi. Je l'ai découpé, voilà. Il me reste encore la moitié. L'autre moitié de la tête d'oreiller, ben, je peux la laisser de côté. On sait jamais, tu vois. J'en ai pas mis de l'autre côté parce que franchement, j'ai pas besoin de l'autre côté. L'autre côté, j'ai jamais de soucis avec la pluie. C'est que toujours côté conducteur. En espérant que ça va fonctionner bien comme il faut. Ça va faire le boulot. J'espère, je croise les doigts. Ouais. Donc, Lille, Roubaix plutôt, pardon. Enfin, 59, hein. Moi, c'est chez moi ici aussi, tu vois. Je suis né ici, moi. Hein. Je suis né à Grande-Synthe. Pour ceux qui connaissent, voilà, tu vois, je te raconte un petit peu ma vie, tu vois, le début de ma vie. J'étais un bébé il y a 48 ans. Bref. Ouais. Les mecs super accueillants. Franchement, super accueillants. Petite société, tu vois. Voilà, ils ont un gros un hangar, ils se le partagent avec Schenker. Je regarde moi la tablette, je vous regarde pas, vous. Je vous promets, je croyais que je filmais avec la tablette, n'importe quoi. Ouais, ils se partagent un truc avec Schenker tranquillement. Et ben attendez, tu sais quoi, nous on va taper directement le client. Donc il s'appelait Bros. Bros Burger, non. Alors attends, je vais trouver le nom. Bros. Rue Louis Pasteur. 56 rue Louis Pasteur. Qui brosse ça? Après, tu vois, regarde-moi. Regarde. Alors, voilà. Je sais pas si tu arrives à voir. Livraison. Donc, livraison brosse 56 rue Louis Pasteur. Plancher bas. Donc, ok, 70-290. Mais rappelle-toi de brosse 56 rue Louis Pasteur. Et regarde maintenant, moi, ce que je trouve. Alors, il n'y a pas de brosse, il y a du qui brosse, tu vois, ça ressemble un peu. Pour l'adresse, on est à 69 rue Louis Pasteur, 70-290, plancher bas. Maintenant, quand tu regardes sur Maps, et heureusement qu'on a Maps, franchement, vive Maps, tu vois. Là, on a qui brosse, c'est ça,
Mais quand tu fais un petit dézoom, tu n'as plus rien. Tu vois, tu n'as plus rien. Domaine du col. Voilà, tu vois. Là, tu as une société, je pense, mais c'est une fonderie. Tu vois, non, c'est pas ça. Et ensuite, là, on est rue de France. Donc, on n'est plus sur le même. Sur le même bail. Donc, moi, pour moi, c'est qui brosse. Tu vois. Par contre, si tu regardes bien, là. Voilà, tu vois, l'accès est éclaté, l'accès est pourri. Je ne sais même pas s'il y a un quai. Peut-être qu'ici, il y a un quai, là, tu vois. Je ne sais pas. Il y a des voitures. Tu vois le camion, là, il est garé, là. Peut-être c'est un quai ouvert, ça, je ne sais pas. Moi, tu vois mal. D16, ouais, bah, donc. Cet itinéraire traverse plusieurs pays. Non, on va passer par la France, nous. On va passer par la France. On va pas se taper. La Belgique, non, 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 non. Non, non, on va pas faire la Belgique. Ah, franchement, la Belgique, va passer par Reims. On va passer par Reims, tout simplement. Lille, Reims. Bon, Lille, normalement, c'est bouché toujours, comme toujours. Hein. Voilà, direction Belfort. Tranquillement. Nancy et Belfort. Voilà, les amis. Si tu prends la, si je prends par la Belgique, j'y arriverai pas demain. J'ai rendez-vous demain matin, 8h30. Ce sera juste pas possible. Avec la Belgique, là, c'est le bordel. En ce moment, là, je vous promets que c'est le bordel. Là, j'ai le choix, donc je prends par la France, tu vois. Parce que j'ai le choix. Si j'avais pas le choix, oui, bien sûr, tu vois, je prends l'itinéraire, le seul qui est dispo. Mais là, j'ai trois itinéraires, donc ça devrait aller, tu vois. C'est cool. Donc voilà les amis, moi je vous tiens au courant. Je pense que je vais m'arrêter à une station service ben, sur la route pour la douche du jour, tu vois, parce que hier j'ai pas eu de douche. Et j'ai envie d'une douche, vraiment. Je suis pas en train de vous dire que je suis dégueulasse, hein, non, non. Mais tu vois, quand tu prends une douche, ben tu te sens mieux, t'es bien, tu vois, t'es frais. Voilà. J'ai envie d'être frais, tout simplement les amis. Bon allez, moi je vous récupère après. Et désolé, cette fois-ci, j'oublierai pas de filmer la route. À tout de suite. Bon, ça, il me ramène ma douane, c'est cool. Salut. C'est tout derrière. Nickel. Merci. Bonne journée à vous. Pareillement, au revoir. C'est cool, je vais juste mettre l'heure d'arrivée et l'heure de départ. C'était super rapide, c'est cool. Au moins de quoi prévenir l'affrètement. Elle va être contente que j'y sois arrivé très tôt le matin. Enfin, j'étais prévu 16h30. Rendez-vous 16h30. Tu vois, si t'as pas de jugeote, tu y vas 16h30. Mais comment tu fais pour faire tes 500 bornes le lendemain, jusqu'au lendemain? 8h30. Tu vois, ça va être chaud, tu roules de nuit. Voilà, bon c'est cool, hein. Moi j'aime rouler la nuit, mais non. Autant faire ça très rapidement. Donc arriver. On fait ça grosso merdo, tu vois. Je sais même pas à quelle heure je suis arrivé, j'ai pas checké. Mais voilà, grosso merdo. L'essentiel c'est que tu sois arrivé et que tu partes. Voilà. Bon, je pense qu'elle va m'appeler pour. Elle va m'appeler juste pour me dire ouais, ok, c'est cool. Et je vais prendre en photo. La CMR, je vais lui envoyer. Tu vois, comme ça, ils sont au courant de chaque étape, tu vois. Donc, c'est cool. On va mettre le thé avec. Je vais le laisser. Je vous remets, moi, de ce côté. Ok, je peux y aller.
là, quand je te dis c'est le bordel. Pas merci, putain, le gars normal, il dit même pas merci. Bon, c'est pas grave. Putain, il y a encore un camion qui arrive. Putain. Ah, c'est une dinguerie. On peut pas sortir d'ici, c'est incroyable. Ici, c'est incroyable. Je vous l'ai dit là que c'était une galère déjà, mais rien que pour rentrer là dans ce putain de parking. Et là maintenant c'est pour en sortir que c'est la merde. Et il y a l'autre, il me voit faire marche arrière, il en a rien à foutre. Il est rentré lui. Ah putain, mais c'est pas possible. Ah, c'est n'importe quoi ici là. Tu peux pas sortir. Tu peux pas sortir. Tu veux sortir? Ben non. Ah, incroyable. Il va arracher la palette là, non? Ah, j'y ai cru. À gauche sur rue de Réquem. Je vois pas là. Dans 300 mètres, prendre à droite sur rue du Vertuquet, M291. Ouais, je laisse la voie de la folle, voilà, je connais pas du tout ici là, pour attraper l'autoroute. On va peut-être un petit peu baisser son volume. Pas si ça filme. Est-ce que ça filme? Dans 600 mètres, à gauche, prendre la bande de la Paris. Ouais, ça filme, c'est bon. Ah ben, il y a direct l'autoroute. Hein. Après, il y a la traversée de l'île.
l'autoroute, tu vois. Et c'est là que ça va boucher. À cette heure-ci, c'est normal. J'aurais dû me faire un café. T'as vu, hein, il fait beau, il fait bon dans le nord. Ah, les gens auraient voulu que, ben voilà, je passe la frontière, boum, un mur d'eau, il pleut. Ils m'ont même pas tamponné la CMR, rien du tout. Les gars, je leur ai même pas demandé si c'était bon, si je pouvais décoller. Bon, logiquement, ils me ramènent ma CMR, c'est que c'est bon, tu vois. Mais j'aurais dû lui demander, est-ce que c'est bon, je peux y aller, tu vois. Mais normalement, oui, c'est bon. Après, c'est quand même bizarre, tu vois, que ben, je dois récupérer la boîte sur Anvers. Monter dans le nord de la France pour faire la douane, ouais, c'est pas loin, hein. On parle de 130 km. Et ensuite, ben, une livraison dans l'est de la France. Après, il y a pire comme situation, ça va. Voyez les gars, moi je vous récupère un peu plus tard là quand on sort un petit peu de la bouchonnerie. Restez sur la file de gauche pour continuer sur N356. Bon, ça y est la famille, on traverse l'île. Big up aux Lillois. 3 km. On traverse l'île, hein, on reste sur la nationale, on va pas sortir de la nationale jusqu'à rattraper l'autoroute. Et bon voilà, on est à Lille. Ça change un peu de l'Alsace et de la Belgique. Ça vous fait voir autre chose, et surtout à moi aussi. Et surtout à moi. Et ça va, le GPS me met rouge. Je vous promets, il me met l'itinéraire rouge. Et ça va, ça roule. Je vois pas où est-ce qu'il est le rouge. Pour le moment, ça va. Ça glisse. Alors, regarde là, Citroën, frère. Citroën. Thank you.
Arrête, rejoindre A1. Putain, les gars sont chauds. Ah, je me fais doubler dans tous les sens, frère. Ah, il y en a, il a déboulé là sur ma droite. Sur A1 pendant 1 km. Putain, il est sérieux là? Ouais, un vieux, les cheveux tout blancs, il y a à l'intérieur là de la petite Pontiac, je sais pas c'est quoi, Chevrolet. Et bon, ça c'est la Citroën de chez Chevrolet. Dans 600 mètres, restez à gauche à l'embranchement pour continuer sur A1. Je crois que c'est là que c'est rouge. Continuez sur A1 pendant 37 km. Ok. Ok, madame. Même pas ici que c'est rouge. Vous savez, maintenant c'est bleu. J'ai pas fait mon plein au luxe, j'avais un peu plus d'un demi plein, mais je savais pas que je montais à Lille et que je redescendais plus tard. Je savais pas, moi je pensais que je redescendais sur Metz, tu vois, Longwy. Donc j'ai pas fait mon plein à l'aller. Là maintenant ça va être mission recherche de carburant. En espérant que j'en trouve, franchement, j'espère que j'en trouve. Je sais la galère que c'est en ce moment pour trouver du carburant. C'est une dinguerie, en tout cas pour la France. En Belgique, je vous promets, j'ai jamais eu aucun problème, ni d'Adiblou, ni de gasoil, rien. Rien. Il y a tout ce qu'il faut, niveau carburant, il y a tout ce qu'il faut. Mais j'ai des collègues qui bossent dans la même société que moi. Et eux, ils font du régional, tu vois. Ben, j'ai des collègues, ils passent leur journée à chercher du carburant. Vraiment. Hein. Un truc de ouf. Ben, j'ai même un collègue, il a dû se résigner. Il a dû aller faire son plein en Allemagne. Et en Allemagne, t'as le carburant, il est à 2,20€. 2,20€ le litre. C'est énorme. Quoi, il n'y avait plus rien en Alsace, il n'y avait plus rien. Et je sais que je vous avais posé la question dans une précédente vidéo, est-ce que chez vous c'est galère aussi pour le carburant? Ben, certains m'ont répondu que oui. Et pareil, quand j'étais à Dijon, j'ai posé la question à mon beau-frère et il m'a dit putain, mais il est sérieux lui. Il m'a dit oui, c'est pareil, c'est la même merde. Et d'ailleurs, là où j'étais posé, si vous vous rappelez bien, là j'étais à la station Avia. À la station Avia, le temps que j'attende mon beau-frère, j'ai dû attendre 20 minutes à peu près. Et en 20 minutes, il y a, allez, sans exagérer, une cinquantaine de véhicules qui sont venus pour faire du gasoil. Tous se rendaient compte que la pompe gasoil était complètement vide. Enfin, la cuve de gasoil était complètement vide. T'avais du super, des trucs comme ça, voilà, l'essence t'en avais. Mais gasoil, non. Franchement, c'est n'importe quoi. Là, on est en France, on a un des plus gros producteurs mondiaux de gazo, de carburant, hein, Total. Apparemment, les mecs livrent partout dans le monde. En Belgique, tu vois que des citernes Total rouler non-stop, mais vraiment non-stop.
Par contre, ben, pour la France, ben non. Personne te. Ben, ils livrent pas. Apparemment, ils livrent pas en France. Donc n'importe quoi, Total. Merci Total. Les mecs, attends, je viens de voir un gars qui était dehors. Ah ben non, ça roule. En fait, je sais même pas si ça filme là. En fait, là le bouchon qu'il y avait, c'est pour la station. Donc j'ai bien fait de ne pas m'aventurer dans la station. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Ah, ça doit être une des seules qui propose du gasoil, je pense. Hein. S'il y a autant de monde là sur la route, waouh, waouh. Pourquoi les gens restent au milieu de la route, je comprends pas moi. Voilà, comme lui, il a la peine là. Reste au milieu de la route. Et tu vois, il est lent. Tu vois, ça, c'est pas bien ce que je fais, tu vois. Et tu vois, il me voit que je vais le doubler et là, il accélère. Donc, n'importe quoi. N'importe quoi. Pas qu'est-ce qu'ils ont dans le crâne là, ces gars là franchement, je sais pas. Le gars reste au milieu de la route, il va emmerder tout le monde, et quand tu es là, tu veux le doubler, le mec accélère. Donc voilà, il vient de comprendre que voilà, il y a une voie à droite. Ouais, c'est pas lituanien, hein. Plaque 62, c'est la région, hein. De l'autre côté, waouh, waouh, c'est méchant. Bon, allez, moi je vais m'écouter un petit peu de musique là, et je vous dis à plus.